Wesh les parados, c'est AWS 2007. Aujourd'hui on se retrouve enfin pour un pick-up et test de jeu. Cette fois ça va être spécial car j'ai acheté 7 jeux one shot. C'est la vidéo où je présente le plus de jeux achetés en one shot comme ça. Je crois que le maximum que j'avais pris une fois c'était genre 4 jeux. Mais cette fois j'en ai pris 7 pour 3, 15 euros, 16 euros, quelque chose comme ça. J'ai 5 jeux PS2 et 2 jeux PS3. Les PS3 on va les garder pour la fin parce que les jeux PS3 sont meilleurs. C'est parti pour les jeux PS2. Le premier jeu PS2, ça sera Call of Duty Le Jour de Gloire, ou Call of Duty Finest Tower en anglais, pour 2 euros seulement. C'est vraiment cheap. Je vous laisse lire, si vous pouvez pause la vidéo si vous voulez la lire. Allez. Ok, après. Oh là, il y a 2 tickets. Il y a 2 tickets là-dedans, attendez. Genre, pourquoi il y a 2 tickets? Ah, c'est parce qu'ils n'avaient pas eu de place pour imprimer une promo sur le premier. Mais sinon, regardez. Voilà les choses que j'ai achetées. Et regardez les prix en plus. Ils sont vraiment cheap. Voilà. C'est quoi ça? Attendez. Carte d'enregistrement, produit PlayStation. Ah, c'est Activision, oui, mais ça doit être outdated ça. Du coup, ça je le mets de côté. Le manuel que vous connaissez très bien. Et vérifions. Attendez, je vous montre ici le disque. Je déteste mon visage. Alors, voyons voir l'état. L'état, il est assez rayé quand même. Le prochain jeu PS2, c'est Formula One 2001. J'adore les jeux Formula One, surtout les jeux voiture aussi, j'adore. Complet. Avec la notice que vous connaissez très bien. Voici le disque. Je pousse mon visage pour pas vous le montrer. Parce que je le déteste mon visage moi. Voyons voir l'état. Et il y a juste quelques petites rayures ici. Sinon, il n'y en a pas d'autres. Ce qui est bien. Déjà, si il est assez rayé le disque, c'est pas grave. Les jeux. Oula, les jeux PS2, ils fonctionneront aussi, même s'ils sont rayés. Pareil pour les jeux PS1. C'est parti, prochain jeu, c'est encore un jeu de voiture. World Rally Championship, ou WRC en anglais. Pour 1€, c'est les deux jeux les plus cheap que j'ai eu. Ça c'était 0,95 si vous l'avez pas vu. Ça c'est 1€. Et WRC vous connaissez de façon. Ça c'est le premier. On peut jouer à deux. Donc je ferai par exemple des parties avec Swag, ce qui est bien. La notice que vous connaissez, le disque. Voyons voir son état. Il est assez rayé quand même. Prochain jeu, c'est encore WRC. C'est WRC 3 parce que j'ai déjà le WRC 2 extrême sur PS2. C'est mon préféré de toute façon. Alors, les WRC 1, 3 et 4, j'ai jamais testé. J'ai juste testé le 2 parce que je l'avais en premier. C'est bon. Oula, la boîte elle était dure à ouvrir. Notice et CD, ça c'est bien. Oula, attendez, j'ai oublié de vous montrer le disque. Voilà. Maintenant, voyons voir son état. Il est aussi rayé. Encore un WRC, c'est le dernier jeu PS2 pour aujourd'hui. C'est WRC 4. Après le 3, c'est le 4, forcément. Combien? 2€. Oui, moi j'adore WRC, Formula One, tout ça, j'adore. 1, 4, on peut faire des parties avec Swag aussi. Je crois que lui, il aime les jeux de voiture. Oula, attendez, il y a un truc ou quoi? Parce que je ressens un truc. Ah, non, c'est bon. Attendez, j'ai vu une feuille ou quoi là-dedans? Non, je regarderai plus tard. Voici le disque, il est assez stylé quand même. Voilà.
Voyons voir son état. Ok. Il est un peu. Il est pas très rayé, mais il y a beaucoup de traces. C'est pas grave les traces, je m'en fous. Là cette fois-ci on passe au jeu PS3. En commençant par Battlefield Bad Company pour 4,95. J'adore Battlefield moi. Ça prend 400 mégas et on peut jouer seul. Complet, moi j'adore quand les jeux sont complets hein, parce que ça fait vraiment le job pour une boîte. Alors, Battlefield Bad Company, ça c'est le disque. L'état, attendez, je vais le voir d'ici. L'état, il est parfait. Parfait, on dirait qu'il est neuf. Allez, là c'est le dernier jeu pour aujourd'hui et c'est en même temps le dernier jeu PS3. Genre, c'est un bon GTA like ça, regardez, c'est Sleeping Dogs pour 3 euros. De base, je crois que c'était 6 euros, quelque chose comme ça. Il est deux fois moins cher maintenant. Ouh, ça prend 4 gigs quand même. 18 ans, ça vous le savez. Hong Kong, ça vous savez qu'on est à Hong Kong dans la ville. Oh non, c'est pas complet. Mais je crois qu'il y a pas, je crois pas qu'il y a de notice avec ça. Mais je crois que. Attends, c'est quoi? Carte d'enregistre. Ah, c'est un code ça. Je crois que c'est un code. Et voici le disque. Voilà. Nous allons voir son état. Il est. Il y a un peu de trace. On se retrouve tout à l'heure pour tester. On va commencer par les jeux PS2 et on va garder les PS3 pour la fin. On garde les meilleurs pour la fin, comme je vous l'ai dit dans les autres vidéos. On se retrouve tout à l'heure pour le test. A tout à l'heure les parents!